vise non seulement à démocratiser l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux services sociaux, mais aussi à laïciser et à moderniser ces secteurs. L'hôpital qui se moque de la charité aux éditions Les Arènes, écrit par le professeur Jean-Noël Fabiani. Alors, professeur Fabiani, vous l'avez dit, hein, c'est un des plus grands chirurgiens cardiaques, chef du service de chirurgie cardiaque à l'hôpital Pompidou à Paris. C'est là où il y a eu le début de l'histoire du cœur artificiel. Donc c'est vraiment un grand sommelier. Professeur également. Et professeur, bien sûr. Mais aussi, il a une autre qualité, c'est qu'il est féru d'histoire de la médecine. Il est même enseignant d'histoire de la médecine à la faculté Paris-Descartes. Donc c'est quelqu'un qui adore ça. Et en plus, il a une autre qualité.